Le groupe Edmond Rothschild a commencé à investir dans des actifs non cotés il y a plus de 20 ans. C'est une activité qui n'a eu de cesse de s'étoffer avec l'arrivée de nouvelles équipes et l'implémentation de nouvelles stratégies. Aujourd'hui, on gère 15,9 milliards d'euros dans des actifs non cotés pour des acteurs institutionnels et des clients privés. Cela représente une équipe de plus de 300 professionnels et une couverture géographique internationale avec bien sûr l'Europe, mais également les États-Unis, l'Afrique, l'Amérique latine et Israël. Nous avons une quinzaine d'équipes d'investissement, chacune spécialisée sur un segment de marché. Cela veut dire que nous avons accompagné plus de 200 projets au travers de capital croissance, capital développement, infrastructure, dette ou encore immobilier. Il peut s'agir de transactions primaires, auquel cas nous prenons une participation dans des sociétés qui vont accueillir pour la première fois un fonds d'investissement, ou de transactions secondaires, auquel cas nous prenons le relais d'un autre investisseur. Nos investissements sont guidés par nos convictions et non par des zones géographiques. Si nous pouvons créer de la valeur intelligemment et durablement pour nos investisseurs, nous avons les ressources, les expertises et les réseaux nécessaires pour le faire. Quand nous parlons de capital investissement, nous avons trois grands piliers. Le capital croissance, nous accompagnons les entreprises à travers des financements de long terme, un soutien opérationnel et stratégique. Les économies émergentes, où nous permettons à des PME familiales d'accéder au capital en vue de devenir les leaders régionaux grâce à un partage d'expériences et de meilleures pratiques de gouvernance. Les actifs réels, où nous construisons les infrastructures de demain en combinant rendement de long terme, impact social et environnemental positif. Toutes nos stratégies associent la performance financière, la responsabilité sociale et l'utilité environnementale. Et c'est pour cela que nous parlons d'investissement à impact, thèse très importante chez Edmond Rothschild. En 2017, nous avons pris une participation dans une société polonaise qui s'appelle Allegro et qui est une société de e-commerce. Au moment où on est rentré au capital d'Allegro, il s'agissait d'un concurrent local d'eBay. Nous avons accompagné cette société jusqu'à son introduction en bourse en 2020. Aujourd'hui, Allegro fait partie des 100 sites de e-commerce les plus visités tous les mois, fait partie des 10 premiers sites marchands dans le monde. C'est la plus grosse capitalisation boursière à Varsovie et c'est aussi l'émergence d'une nouvelle big tech en Europe. Premièrement, Edmond Rothschild, c'est une maison de conviction avec 250 ans d'expérience. Cette longévité est un gage de confiance pour nos investisseurs. Deuxièmement, nous sommes un groupe familial et indépendant qui privilégie des stratégies audacieuses et différenciantes qui combinent performance de long terme et impact. Cette diversification est de toute importance pour des investisseurs privés qui vont commencer à investir sur des actifs non cotés. Et enfin, troisièmement, nous sommes un partenaire d'excellence pour des investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Nous prenons en compte les stratégies environnementaux, sociaux et de gouvernance. Plus qu'un simple outil marketing ou de conformité, la prise en compte de ces enjeux garantit la stabilité de nos portefeuilles, la résilience de nos stratégies et est un véritable accélérateur de performance.